Waouh! Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, ne vous inquiétez pas. Attention, cette vidéo est tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Et préparez-vous. Parce que ce que nous allons vous montrer ici, ça va être chaud. Pour commencer, vous verrez des images. Des images qui parlent de magie. Après, vous verrez des vidéos. Ce qu'on appelle des trucs de magie. Des gens vont faire des prestations, mais des gens qui nous amènent à croire ou encore à comprendre combien de fois l'homme peut être aidé par les forces surnaturelles. Mais par qui sont-elles aidées ces personnes de la magie? Nous allons tout découvrir ici dans cette vidéo. Mes frères et sœurs, un j'aime suffit pour permettre à cette vidéo d'être top sur YouTube. Réagissez maintenant. Déjà, si vous avez regardé nos vidéos précédentes concernant la magie, parce que cette vidéo est la partie numéro 3, vous savez déjà que la magie, c'est un faux truc. C'est une chose qui vient du monde des ténèbres. Et le diable, Satan, il veut à tout prix gagner des âmes. Et il utilisera toutes les méthodes possibles pour y arriver. Et ces méthodes en question sont des méthodes de séduction. Le diable utilise les feux de paille pour impressionner les gens. Vous savez qu'à l'église, quand le pasteur va attirer le monde, il fait des miracles. Même les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait ont permis d'attirer beaucoup de personnes autour de lui. Même les gens qui étaient prêts à le suivre, même s'il n'a rien à leur apporter que si ce n'est que des miracles. Parce qu'il était capable de tout faire. Et le diable séduit les gens par la magie. En ce moment, quand vous verrez ces choses, vous allez commencer à dire « I want what is best. Ooh, it's so beautiful. C'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. » C'est là que vous allez ouvrir la bouche et vous dire « Waouh, mes frères et sœurs, suivez-nous maintenant. Nous allons au studio. Nous allons nous lever. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Et un j'aime suffit pour permettre à cette vidéo d'être à la tête du tête sur YouTube pour impressionner qui? Personne. Qu'est-ce que ça nous fait d'être par exemple en tendance sur YouTube? Rien. Mais ça aidera quelqu'un qui est peut-être un magicien. Parce qu'il verra cette vidéo et il saura que c'est un bain noir. Il ne faut pas entrer dans des trucs de magie. Parce que c'est le diable qui est en train de se faire adorer. Rien que en aimant la magie. Ça veut dire que celui qui aime la magie, aime le diable. Et vous allez voir le camp des choses que vous-même vous étonnez. Regardez ça. Waouh! Que voulez-vous, mes frères et sœurs? Là, nous sommes au bureau. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement un homme qui est juste là, il a arrêté. On a l'impression qu'il n'est pas bien arrêté. Mais mon frère, faut bien t'arrêter quand même. Faut dire que j'ai bien s'arrêter. Comment ne veut-il pas s'arrêter? Mes frères et sœurs, il ne veut pas s'arrêter tout simplement parce qu'il est en prestation. Et tout ça, ça fait partie de son show. Et regardez ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Oh! Regardez ça, mes frères et sœurs! Cet homme est plus penché que penché. Est-ce qu'un homme normal peut-il se pencher de la sorte? Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et cette chose est en relation avec sa chaussure.
Et ça, qui nous l'a dit, ce sont les recherches que les gens ont organisées. Et ils ont découvert qu'il y a un truc, une machination. C'est un trucage. Juste pour impressionner les gens ont décidé de mentir juste en se faisant passer, certaines choses ou des choses de magie. Que ce soit du mensonge ou pas, sachez que la magie existe. Et ces choses peuvent être réelles. Mais pour réaliser de telles choses, il faut que les gens signent des pactes avec des démons, même avec le diable, pour pouvoir y arriver. Et ce que nous allons voir par la suite, ce sont des gens qui veulent apprendre à faire de la magie. Est-ce un vrai magicien? Me voyez-vous? Intéressant. Est-ce un vrai magicien? C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il essaie de faire de la magie ou de faire sortir de cette chose qu'il tient dans la main quelque chose d'autre. Et ce qu'il tient juste là, dans l'autre main, comment est-ce que ça s'appelle? Cette chose qu'il tient dans la main, on l'appelle communément une baguette magique. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que pour obtenir une vraie baguette magique qui est capable de faire des pouvoirs, il faut tuer un homme, il faut tuer quelqu'un. Et c'est cette personne qui sera tuée, on va utiliser pour fabriquer cette baguette magique. Ou du moins, c'est le bras ou la main de cette personne qui sera utilisée pour faire cette baguette magique. Et ça, c'est un truc qui se passe dans le monde des esprits. Regardez ça encore. Ici, on voit une femme qui est carrément suspendue. On a l'impression qu'il n'y a rien qui la tient. Mais comment se fait-il? Que se passe-t-il ici? Il y a vraiment quelque chose qui se passe et on a besoin de tout découvrir ici. Et ça, il y a encore une autre machination qui est en dessous. Et nous avons découvert cela hier. Et quand on va plus loin, notre histoire est ici. Cet homme est véritablement juste là. Hein? On a l'impression qu'il a arrêté. Mais en même temps, on voit un truc qui est juste là. Qu'est-ce que c'est ces choses? On nous dit qu'il y a genre comme un ressort sous la chaussure, c'est-à-dire sous la semelle de la chaussure. Là. Et c'est ce ressort-là qui fait ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mes frères et sœurs, c'est ça. Mais quand on voit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, wow, c'est magique, it's magique, ah, magique. Faisons attention, mes frères et sœurs. Les gens sont en train d'acclamer le diable sans le savoir souvent. Regardez ça. Le gars, il veut faire de la magie. Est-ce que des doigts qui sont normaux là peuvent-ils se pencher de la sorte? Essayons ensemble. Prends ta main. Et puis, essaie de pencher ton doigt comme ça. Ne force pas, hein. Si tu forces, t'es échoué. Essaie de pencher ton doigt qui est juste là, de l'autre côté comme ça. Comme il a fait ici. Comment c'est possible? Ça, il me semble qu'il y a une machination en dessous. Il y a quelque chose d'autre en dessous. Parce que, regardez ça. Est-ce que c'est possible de réaliser un tel truc? Je dirais même une telle chose. Se couper un doigt comme ça. Ah! Et puis ça a l'air réel quand même. Hein. Si ça c'est réel, c'est qu'il y a un truc derrière. Il y a autre chose derrière. Ah! Ça m'étonne. Regardez ce que les gens sont juste prêts à faire pour impressionner les gens. Et ça, c'est dégueulasse. C'est dégueu, ça donne même envie de vomir. Oh, avez-vous envie de vomir, frère, c'est vomir, c'est...
Bon, c'est pas force, hein. Mais regardez, c'est ça de la magie. Les gens disent que oh, nous sommes des magiciens, laisse-nous faire le truc. Et les gens se mettent à faire des trucs bizarres. Le gars avec sa baguette magique, lui, il est capable de faire sortir tout ça. Une souris, des cartes et d'autres animaux comme les oiseaux. Vous connaissez les comment ils s'appellent la même là? Les animaux qui ont plusieurs, qui ont deux longues oreilles là. Comment ils s'appellent? Laissez dans la partie commentaire. Mais on peut les faire sortir ici. Même un chat, un chien, un chiot, un chien, tout ce que vous voulez. Et regardez ça. Ici, on voit un gars qui veut juste. Il veut juste que. Comment ça s'appelle ça? Il veut juste que cette chose qu'elle a dans son doigt là. C'est l'alliance, non? Une bague. Voilà. Il veut juste que la bague soit suspendue là à l'air. Juste pour que vous soyez impressionnés. Mais frère, ce ne soit pas impressionné. Dites à ces gars. On s'en fout de ça, on s'en fout de ça demain. Mais regardez. Qu'est-ce que nous on va gagner dans cette histoire? À quoi ça va nous servir? Au moins Jésus-Christ, il a ressuscité la mort. Au moins cette personne-là a vécu un moment et a découvert qui est son Dieu, qui est son Seigneur. Mais de telles choses que les gens essaient de faire, à quoi ça sert réellement? Ou bien tu veux nous montrer que tu as des énergies. Peut-être que ça va lui permettre de faire des spectacles pour bien mentir aux gens. Ou pour amener les gens à adorer le diable. Même à aimer la magie sans se rendre compte. Ah, c'est pas normal. Tu tiens, toi, tu tombes, toi, mon frère qui regarde cette vidéo, toi, ma soeur. Si tu tiens un objet comme ça tombe. Tu tiens un objet comme ça tombe. Si ça ne tombe pas juste parce que c'est suspendu, c'est qu'il y a quelque chose qui retient cet objet-là. Mais si nous, on ne peut pas voir ça, c'est qu'il y a un démon, un esprit qui est en train de travailler avec le gars, qui fait le travail. Cet esprit-là est juste arrêté juste à côté de lui, et cet esprit-là contrôle ça. Mais frère, ce n'est pas de la blague. Mais regardez vous-même. Ça a l'air rigolo, hein? Mais tous, ils essaient de faire la même chose. Regardez encore ça. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un billet de banque. Il me semble que le doigt qui est ici ne touche pas ce billet. Il me semble que c'est à peu près le même mécanisme qu'ils essaient de faire. Juste pour vous impressionner. Juste pour nous impressionner. Mes frères et soeurs, si vous êtes étonnés, ne le soyez pas. De toute façon, ça ne fait que commencer. Parce que ce que nous allons vous montrer maintenant, mes frères et soeurs, soyez prêts parce que ce que nous allons vous montrer maintenant, ça vous plaît, ça va vous étonner, vous serez même dépassé, vous allez dire, oh, il y a un truc bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça, mes frères et soeurs. Ils essaient tous de nous montrer de ces choses bizarres. Regardez. Avec des cartes, avec de l'argent. Là, c'est un billet de banque. Qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est un billet de 100 euros, hein. Mais que va-t-il faire avec ce pied? Est-ce que vous êtes prêt à le voir? Est-ce que vous êtes prêt à voir ça? C'est parti. Play. Oh, il n'y a plus de play, ça marche pas. Il n'y a plus de play, ça marche pas. Il n'y a plus de play. Mais pourquoi est-ce que ça marche pas? Il faut que ça marche. Oh oui. Il a transformé ce pied de banque en une carte. Une carte de je sais pas quoi là, une carte Visa ou bien une carte bancaire Mastercard. Mais regardez, c'était d'abord un billet de banque. Regardez ça. Revenons encore en arrière. Comment c'est possible? Si ce gars là, comment arrive-t-il à faire tout pareil?
quelle est cette forme de magie? Est-ce de la sorcellerie? Et c'est vraiment, se transformer en une carte bancaire. Ça m'étonne. Si c'est transformé carrément en une carte bancaire. Et il peut encore faire quelque chose. Transformer cette histoire-là en une fleur. Regardez. Regardez ça, vous serez surpris. Regardez. Oh! Est-ce que c'est réel? Regardez le ralenti. Le ralenti hors du commun. Comment fait-il ça? Oh! Une fleur, c'est ça. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Oh, autofocus, s'il te plaît. Une fois, c'est ça. Est-ce que moi-même qui suis devant vous là, est-ce que moi je vais transformer cette fleur là en argent? Mes frères et sœurs, si vous pouvez transformer cette fleur en argent, eh bien, il serait l'homme le plus riche de la planète. Je serais l'homme le plus riche de la planète. Pourquoi même vais-je travailler? Ou parce que tu n'es. Ou parce que tu réfléchis pas. Il n'y a jamais qui pense que Dieu même il n'a pas bien fait de nous créer comme on est. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qu'il a manqué d'ajouter. Mais regardez ça, mes frères et sœurs. Que va-t-il se passer ici? Je ne sais pas. Mais regardez vous-même. Ce gars, il se met à découper des trucs bizarres, il ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Va-t-il recoller des choses qu'il va couper en morceaux ou quoi? On voit une banane. C'est la seule chose dont je connais le nom ici. Ça c'est une quoi? Une pastèque ou bien pastèque. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ça se prononce en chinois. Hein? Mais où? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais que font-il avec le fruit? Que sont-ils en train de faire? Que sont-ils en train de faire réellement? Je fais les copoins. Ah, que fait-il? Que fait-il? Il me semble que sans toucher la chose, il peut couper cette chose en morceaux. Revenez juste un peu en arrière. Il me semble que sans toucher à ce fruit là, sans toucher à ce fruit qu'elle a, il peut couper le fruit juste en faisant le couteau comme ça. Bon, regardez vous-même. Je sais pas, expliquez-moi. Aïe aïe aïe. Ah! Ouh! Bon, peut-être que le gars il est fort, c'est tout. Peut-être qu'il est fort, il a un don particulier, un bel talent. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Sinon, je ne sais pas ce qu'il pourrait expliquer, un truc pareil. Bon, pour le moment, je vois pas un truc si impressionnant que ça. What? Vous avez vu ça? Il a fait disparaître la banane dessous. Attendez, revenez un peu là. Hein. Regardez ça. C'est devant vous qu'il mettait cette banane-là dans le sachet. Hein. C'est devant vous qu'il mettait cette banane dans le sachet. Regardez ça. Et tout à coup, il va faire disparaître cette banane. Oh! Ouh. Sous le regard! Des spectateurs, mais où est passé la banane? Fais-moi nous la banane, s'il te plaît, mon ami. Ah! Mes frères et sœurs, comment les gens arrivent-ils à faire tout pareil? Est-ce que c'est pas le fruit des démons? Est-ce que ce ne sont pas les démons qui aident les gens ici à faire tout pareil? Mais regardez ça. Le gars, il est tenté de faire cuire la viande devant eux. Juste en utilisant un feu qui sort de sa main. Est-ce que vous voyez ça? Il y a du feu qui sort de sa main. Regardez. Il fait sortir du feu de sa main. Juste pour faire cuire la viande. Le croyez-vous? Ça m'étonne. Hein? Ah! Il souffle même. Boum! Regardez encore. Les gens sont dépassés parce qu'ils sont en train de voir. Ça m'étonne. Et les gens sont en train de même faire un test juste pour voir
Quelle est cette machination? Oh, là, ça devient vraiment inquiétant. Qu'est-ce qu'elle était de faire? Ça m'étonne. Dès ton ami qui a goûté, ça m'étonne. Dès ta voisine qui a goûté, ça m'étonne. Dieu, quand ils sont goûtés, ça m'étonne. Bon, ok. Écoutez. Souvent, quand les gens prient à la chrétienne, à l'église, ils disent quoi? Je mets le feu sur toi! Je mets le feu sur toi! Bon, le feu là, ça s'est sorti d'où? De la main, non? Mais où se trouve le feu là actuellement? Où ce feu là se trouve-t-il? Est-ce que ça sort comme ça? C'est un truc qui se passe en esprit, il me semble. Mais les trucs de l'esprit se deviennent réels, on dirait. Ou bien ça, c'est une machination. Bon, allons-y plus loin pour voir quelque chose. Que va-t-il se passer ici? On voit ici des filles qui sont juste là. Et on leur présente de la boisson. Ah! Et ces boissons changent de couleur dessous les yeux. Ça part du rouge au jaune, de l'orange au vert. On ne comprend pas. Et la couleur est en train de changer. Revenons juste pas en arrière, vous verrez tout. Soyez prêts, ça va venir. Au départ, c'était du orange, après c'est du jaune. Ça va changer de couleur tout de suite. Je ne sais pas quelle couleur ça prend encore. Mais la fille est dépassée. Regardez comment elle a mis sa main sur sa bouche. Elle est celle jolie, oh, t'es née où? T'es de quel pays? Et arrêtez de chier les femmes souvent sur Internet. Regardez, ça a changé. Ah, ça change encore. Et regardez ça. Mes frères, se partager au maximum cette vidéo. Ah! Que fait-il? Comment ainsi l'on peut-il sortir de sa paume, de sa main? Ah! Mes frères, c'est moi, je préfère sortir autant de peine de ma main comme ça là. Mes frères et sœurs, je sais qu'il allait dormir tranquille. Il va faire une usine de. Il va faire une boulangerie. Où personne ne travaille. C'est moi ce que c'est là. Bonjour monsieur. J'ai besoin de pain. Ok, pas de soucis. Attends. Ouh, le pain sort de ma main. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a fait? Même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait tout pareil. On dit qu'il a rendu grâce à Dieu. Et les pains se sont multipliés. Mais ça, c'est quoi? Faut dire à ton ami, ça m'étonne. Dire à ta voisine qu'à côté, ça m'étonne. Et ça veut dire que tu t'as partagé cette vidéo à quelqu'un. Regardez ça. Qu'est-ce que ce gars-là cherche à faire? Ce monsieur ici cherche à introduire ce foin insupportable dans la bouteille. Sachez que la bouteille est bien solide et fermée. Mes frères et soeurs, on doit se dire la vérité. La bouteille est fermée comme ça. Oh, c'est fermé. Un lever introduit un portable à l'intérieur. Du genre, tu prends ton portable et tu veux l'introduire juste à l'intérieur. Juste comme ça. Comment tu fais pour toi? Comment c'est possible, mes frères et soeurs? Comment c'est possible? Ça m'étonne quoi. Regardez. Bon, assez discuté, voyons ça. Si ça marche. Bon, mais ça va. Il y a dit ok, après ceci. On va faire un truc. On va commencer à voir ce qui se passe ici. Mais regardez ça. Quelle est la machination qui se trouve derrière? Ouh, le traité de faire introduire ce portable sous le regard de toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, qui ont même fait le test. Qui ont testé la chose. Ouh, regardez le yeux de ce gars. Regardez ses yeux. Il est même surpris de voir tout pareil. On va dire, ouh, ce n'était pas prévu. Comment se fait-il? Mes frères et sœurs, le diable est en train de faire le travail. Et ces choses-là sont en train de se répandre partout dans le monde. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire encore ici? Qu'est-ce que ces gens-là vont-ils faire encore ici? Ça m'étonne. Franchement, je ne sais pas.
Il a en main un smartphone. Tu vas dire, ouh! Il a fait sortir quelque chose de la nourriture de ce smartphone. Regardez, il y a comme des beignets dans cette photo qui se trouve juste là, dans ce smartphone. Et lui, il arrive juste là et il arrive à faire sortir cette histoire de ce smartphone juste là, l'un après l'autre. Mes frères et sœurs, ça m'étonne, hein? Mais ne serait pas étonné, mes frères et sœurs. Regardez ça. Que va-t-il se passer à ce niveau? Que va-t-il se passer? J'aimerais bien savoir. Ah! Il a ajouté des couleurs. Ah! Il a fait sortir la photo de ce smartphone. Bon. Qu'est-ce que c'est? On nous dit qu'ils sont aidés par des démons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce une machination? J'aimerais bien savoir. Il va même enlever quelque chose d'autre de cette histoire. Regardez. Et ça étonne tout le monde. Et tout le monde est surpris. On se dit, ah, oh, waouh. Que dis-tu, mon frère? C'est étonnant, non? C'est carrément étonnant. Tu vas te dire que c'est impressionnant. Ça te touche. Est-ce que vous me voyez? Voilà, là, c'est moi. Ça te touche. Ça t'impressionne. J'aimerais même appeler quelqu'un pour venir regarder ce que tu es en train de voir. C'est de la magie. Qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, ne vous effraissez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Les gens ont décidé de faire autre chose que ce que Dieu veut. Mais regardez ça. Que se prépare-t-il à faire ici encore? Là, on voit qu'il tient un pinceau. Veux-tu dessiner un truc? On voit qu'il tient vraiment quelque chose. Il veut dessiner un truc. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sans toucher le pinceau, ça écrit quelque chose sur la table. Donc, qui tient le pinceau? Est-ce un démon? C'est possible. Mes frères et sœurs, ça m'étonne. Ça m'étonne. Et pendant plusieurs minutes, on voit ça. Est-ce que ça vous inquiète, non? Est-ce que vous avez vu? Mes frères et sœurs, c'est grave. Chez nous, on dit l'heure est grave. Voici encore une autre personne qui fera un truc. Regardez ça. Qu'est-ce que cette personne veut faire même? Est-ce une vraie grenouille? Est-ce une vraie grenouille? Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Que se passe-t-il là? Regardez cette femme, elle était juste là, une fleur. Une fleur qui transforme en papillon. Une fleur qui se transforme en papillon. Une fleur qui se transforme juste là, comme ça, en papillon. Mes frères et sœurs, voici ce que nous avons pour vous montrer aujourd'hui. Juste pour que vous puissiez voir qu'il y a un truc qui se passe. Les gens essaient de transformer tout en tout. Le gars là-même, il fait sortir la baguette.
Il fait aussi du pain, la baguette, du pain de sa main. Comment ils font ça? Dis à ton ami, comment faut-il ça? Dis à ta soeur qui est à la maison chez toi, mais comment se fait? Comment faut-il ça? Peu importe la manière à laquelle ils le font, nous ne devons pas les aimer. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, ma soeur, toi tu ne dois pas apprécier ça. Tu dois juste voir ça comme ça et puis tu vas te dire, oh, c'est le diable. C'est le diable qui est derrière. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Quelle est la gloire de Dieu là-dedans? Rien. C'est le diable qui va dire que, oh, c'est lui le magicien. Et de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'aucun menteur, aucun fornicateur, aucun sorcier, aucun idolâtre, aucun magicien n'entrera dans le royaume des cieux. Et toi, tu vois les trucs de magie, ça t'intéresse, ça t'impressionne. Ça ne te dit rien. Mes frères et sœurs, faites attention. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas de laisser vos j'aime, de vous abonner également sur notre chaîne en cliquant sur ce bon. Allez sur la page d'accueil, tout vous attend là-bas, vous verrez de nouvelles choses. Prenez soin de vous pour la prochaine vidéo, ce type. Ça va être chaud.